Ok, on reprend. Salut tout le monde. Mission de discrétion, mission délicate en plus, mission de livraison d'appareils destructeurs pour détruire des colosses. On va ouvrir la voie aux rebelles et peut-être déclencher un conflit qui fera plein de morts. Youpi! Alors d'abord, on doit prévoir l'itinéraire et je pense qu'on peut effectivement passer par cette porte-là, passer par ici. On peut passer derrière les gardes ici. Ouais, on peut facilement les contourner. Une fois qu'on a trouvé le chemin, c'est assez simple. Donc en fait, c'est facile. La seule difficulté, c'était dans l'épisode précédent. Où il fallait effectivement libérer le chemin. Oui, les torches d'hypnose, merci, je connais. On va rester prudent quand même. On va faire pas mal de bruit en passant dans les fleurs. Mais là, effectivement, avec le bon chemin, c'est hyper simple. Attention quand même. Non, ça va, il n'y a pas trop de patrouilles. Aucun garde ne bouge. Et voilà. Oh, attendez, je me sers au passage. Et je crois qu'on est à peu près bon. Bon, première étape, ça a l'air bon. Ensuite. Ensuite, j'y vois que dalle. Non, c'est bon, il n'y a pas de trou. Il fait simplement très très sombre. Ok. Bon, j'en profite. Pour éviter le piège, bien sûr. Et pour récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Icarus indisponible. Youpi. Tu te fiches de moi. Ok. Ah. D'accord. Donc j'imagine... Ouais. Donc il faut que je passe par là. Ah, d'accord, je peux pas passer comme ça avec le... Avec le bloc. Donc, pour faire passer l'appareil, je dois déplacer les étagères. De façon préalable. Ok. Donc une forteresse assez... différente de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Ah oui d'accord, c'est pas compliqué du tout. C'est même extrêmement simple. Alors par contre ça, ça va faire du bruit. Bon, normalement, on devrait pas être trop proche des gardes. Voilà, on va bien dégager le passage. Ok. Ah, j'aurais peut-être dû brûler les caisses que j'ai vu tout à l'heure. Je sais pas, sur le retour peut-être. Mais après, est-ce qu'on a des choses à... Ah, on a quand même des... Ah non, on n'a pas de garde à tuer. On n'a pas de capitaine ou quoi que ce soit d'autre à tuer. Quelque okay. chose bloque. Ah oui, d'accord. J'avais pas vu comment c'était fait. D'accord. Extrêmement simple, en somme. Hop, comme ça on passe comme ça. Non, tu veux pas passer entre les deux. Bon bah d'accord. Voilà. Oh, quelque chose bloque. Quelque chose bloque, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc là on peut bien passer. Et ça, on brûle. Et maintenant, on récupère le bloc. Hop là. Parfait. On a encore un long chemin à faire peut-être.
Bon, après, c'est une mission qui m'arrange quand même, hein, parce que les colosses déposent le Cassandra. Mais... Cassandra, s'il te plaît. Attends, ne me dis pas que je dois disposer les étagères pour que Cassandra puisse descendre proprement, on va dire. Attendez, c'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah oui, parce que quand c'est un petit trou, elle passe par-dessus, elle. Et je peux pas le lancer, le machin. Je peux pas le lancer. Descends, Cassandra, par pitié, merci. Alors. Ouais, celui-là un peu plus... Un peu plus bas. Ouais, j'imagine qu'on doit le laisser comme ça. Ouais, j'imagine que c'est comme ça qu'il faut procéder. Comme ça, on descend comme ça, et après... Et après... Comme ça, d'accord. Ouais, bon. C'était pas pratique. Du tout. Et donc là... Là, on n'y voit que dalle. Ok, c'est pas très profond. Et du coup, voilà, on descend. Merci Cassandra. Ah oui, quand même. Effectivement. Plutôt balèze Cassandra quand même. Tenir en équilibre avec un truc qui a l'air aussi lourd. Ah ouais, bien joué. Tu fais un petit saut sur une poutre, pas très large. Et tu parviens à garder ton équilibre avec cette charge. Bien joué, vraiment bien joué. Et donc on va s'approcher de la fameuse zone de stockage. Ah ouais, vraiment cette forteresse, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. C'est hyper intéressant. Alors évidemment on ne peut pas grimper, il faut trouver le bon chemin. Alors attendez, à moins que je me sois planté. À moins que je me sois planté. Non, c'est bon. C'est bon. C'est en bas qu'on doit aller. Attendez. On va en profiter quand même. Bah, lève la tête, Cassandra, fais un effort. Voilà, comme ça c'est fait. Ok. Pour l'instant, tout va bien. Pas d'énormes difficultés. On a quelques gardes qui sont dans les parages. On doit simplement se faire oublier. Il n'y a pas de souci. On évite de se faire repérer. Deux choses. On se fait pas repérer et on ne tue personne. Voilà. En plus, au cas où, on a fait le contrôle de Perséphone. Et c'est là-dedans qu'il conserve les colosses, c'est ça? Ok, ok. Bon, ça va, je m'attendais à pire quand même. Alors attendez, on n'a pas fini encore. Si ça se trouve... Si ça se trouve... On va souffrir. Non mais en vrai ça va, hein. Ça va, ça va. J'ai l'impression qu'on y est presque. Et c'est vachement intelligent comme forteresse en plus. Parce qu'on revient dans la partie principale. On a commencé en bas et il fallait faire tout le chemin. C'est vraiment, c'est hyper intelligent. Vraiment en termes de... En termes de level design. C'est hyper intelligent parce qu'avec le bloc on pouvait pas faire n'importe quoi. On ne pouvait pas grimper. On peut sauter. Mais grimper non. Donc on est un petit peu privé de nos mouvements. Ce qui fait qu'on change complètement notre façon de jouer. Et ben là, franchement, bravo. Et regarde. Je vais piller ce coffre. Et tu peux rien faire? Eh ben oui. Parce que t'es pas activé. Et tu ne le seras jamais.
Alors attendez, il faut passer par l'intérieur, j'imagine. Hop. On laisse les yeux accommodés. Ok, encore des choses à détruire pour libérer le passage. Ah oui, franchement, j'aime beaucoup cette forteresse. Et je peux pas passer par là? Ok, donc c'est par là que je dois passer. Attendez, je devrais peut-être pouvoir casser quelque chose. Bon, c'est pas ça. Ok, je déplace ça, mais après, qu'est-ce que je vais faire pour libérer le passage? Peut-être un trou dans le mur. Ça ne bouge pas. Ah oui, mince, j'ai fait les choses dans le mauvais ordre, ok. Et oui, c'est pour ça qu'on a des flèches juste à côté. Et ça aussi, je peux casser, y a pas un truc... Non. Non, je pense que c'est bon. Voilà. Ensuite... Ça, je prends. Mais du coup, comment fait-on pour récupérer... Ouh, la vache. Ok. Comment je fais pour récupérer mon bloc? Il y a quelque chose à faire descendre, peut-être? Quelque chose à briser, quelque chose à déplacer, même? J'ai pas encore trouvé, mais je vais trouver. Réfléchissons. Réfléchissons. Limite, je pourrais revenir un petit peu en arrière. Et me demander ce que je peux faire avec le bloc. Donc, avec le bloc. Non. Ah, attendez. Ah bah oui, tout simplement. Tout simplement, je passe par en bas. C'est pourtant évident. Parce qu'en plus, on a un escalier. Donc c'est pas par ici, c'est par là. Voilà, c'est beau ça. Mais il fallait quand même que je passe par l'autre passage. Pour casser le pot et pouvoir déplacer les caisses. Ok. Super ça. Ha. J'ai presque tout fait en plus. Hein. On va se faire massacrer quand elle va apprendre ce qu'on a fait. À notre première rencontre, j'ai ri quand tu as dit que tu voulais quitter l'Élysée. Et maintenant ? Je plains la divinité qui veut t'en empêcher. Alors, que vas-tu faire ? J'ai certaines choses à préparer avant notre assaut final contre le palais de Perséphone. Je veux dire, une fois que tout sera fini. Je vais quitter l'Élysée entre les mains du peuple. Ensuite, je gagnerai directement l'Olympe, dans les bras de mon amour. Ça ressemble au paradis. Tu as été une amie. Je ne m'attendais pas à en trouver une ici. Viens me voir avant que nous lancions notre attaque. Non mais... Adonis, c'est ça le problème, on n'est pas amis. J'ai passé plus de temps avec Perséphone qu'avec toi. Et à aucun moment j'ai eu le sentiment d'avoir le choix de te contredire. Perséphone, on a le choix entre la contredire et être de son côté.
toi, quand tu nous donnes des missions, en fait, on n'a jamais le choix. C'est ça qui me dérange. Ouais, mais du coup, moi, le palais des colosses, attendez, il est là, c'est ça? Mince, j'aurais dû brûler ce qui restait. Oh. Bon, c'est pas grave, je repasserai en off, c'est pas très grave. Parce qu'en plus, Perséphone, elle a vu ce qu'on a fait. Aïe, 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 aïe. Bon, on va finir ce qui nous demande, hein, les fripouilles, là. Donc on va trouver l'oratrice et lui parler, pour faire plaisir à Hécate. Oui, mais Perséphone, oh là là, Perséphone va tellement nous massacrer. Même si elle nous doit une faveur, grâce à ce qu'on a fait avec le cheval d'Hadès, elle va quand même nous massacrer. L'oratrice est dans la partie sud de la retraite de Freya. De Ferraya, pardon, pas Freya. Pff. Elle est dans le village de Stroma. Je connais ça, le village de Stroma. Oui, Stroma. Ah bah tiens. Le fameux village de Stroma. Que vous n'avez peut-être pas vu. Oui, parce qu'au début, j'ai recherché les visions de la gardienne très très vite. Et c'était quelle partie? Je sais plus, je crois que c'était la partie 4 ou 5 du DLC. Enfin, de cet épisode 1 du DLC. Même du DLC tout court. Et je voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc j'ai coupé des gros morceaux, et puis je me suis dit, ouais, ce truc-là, c'est haut, c'est loin, c'est pénible. Bon, on repassera, c'est pas très grave. Et donc nous voici au village de Stroma. N'est-il pas magnifique? Donc le voici avec... Ouh, avec cette vue magnifique sur ces cascades. Sur ces cascades vertigineuses. Avec ses magnifiques maisons et ses temples. Ces constructions qui défient les cieux, qui touchent les nuages, qui les dépassent même. Et donc nous cherchons l'oratrice. L'oratrice qui n'était pas très loin de notre position d'ailleurs. Et tous ces ponts suspendus, c'est magnifique aussi. Ross est là, tiens. La voilà. Et si c'était vrai? Et si Ross nous espionnait? Bon, je vais le saluer au moins, ce brave toutou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Il ne terrorise personne. Alors, cet homme profite de la vie, ou de la mort. Enfin bref, de la vie dans l'au-delà. À fond, quoi. En même temps, j'avoue, c'est stylé. Cet homme est heureux. Regardez-le. Bon, le chien. Bonjour, Ross. Il est content. Il est tout content. C'est un beau toutou. Regardez-le. C'est Ross. Il est content, Ross. Il est beau, Ross. Il est beau. Il est beau. Alors oui, si vous n'avez pas d'animaux, vous ne pouvez pas comprendre. Oui, nous on parle comme ça, nos animaux. Chien, chat, peu importe l'orage, hein, on leur parle comme ça. Qui c'est le bon chien? C'est Roros? Voilà exactement ce que fait Cassandra. C'est qui le bon chien? C'est qui le bon toutou? Hein? Oui, je parle exactement comme ça, mes animaux. Chien, chat. C'est une bonne fille. C'est une bonne fille. L'Élysée est un paradis, façonné par sa majesté Perséphone en personne. Aucun humain ne devrait chercher à le quitter, car dans l'Élysée, on ne manque de rien. Tiens, c'est marrant, l'oratrice est pas tellement du côté des rebelles. On dirait en tout cas. Qui es-tu? Hécate a dit que tu pourrais avoir besoin d'aide. Tais-toi! Si les autres humains me croient en lien avec Hécate, je peux dire adieu à mon travail. Bien, dis-moi simplement ce que je dois faire.
Libère les villageois retenus au rêve brisé de Perséphone. Mon fils Théron y travaille comme gardien, contre son gré. C'est comme si Perséphone s'était emparé de son esprit. Peux-tu l'aider lui aussi ? Je vais voir ce que je peux faire. Ah oui, d'accord, il faut que je le tape. D'accord, d'accord. Ce n'est qu'en apparence, donc. Libérer les gens du rêve brisé de Perséphone. Ah oui. Ah oui, ah oui. Les poules, encore des poules. Formidable. Donc des gens à taper. Ça peut se faire. Ah oui, d'accord. Pourvu que personne ne me remarque. Pourvu que personne ne me remarque. Alors il me faut quand même me déséquiper de d'une arme quelconque. Le bâton. On va retirer le bâton. On va le ranger. Il est précieux, certes, mais on va le ranger. Les bonus de l'épée m'intéressent plus. Donc on va assommer des gens et les libérer de l'emprise de Perséphone. Ok, donc tout s'explique. L'oratrice est contrainte, bien sûr, de bosser pour Perséphone. Bonjour, non mais je me balade sur les toits, c'est normal. Il fut un temps où se balader sur les toits, c'était tranquille. Le premier Assassin's Creed, au début, était comme ça. Au début, bien sûr, hein, parce qu'après, au bout d'un moment, une fois que les ennemis ont compris qu'on se servait des toits pour voyager tranquillement, ils mettaient ensuite des gardes sur les toits, justement. Là, c'était plus tranquille. Ce n'était plus tranquille. Du coup, est-ce que ça passe ? Qui m'a repéré au juste ? Ah, lui s'est retourné, mince. Bon, tant pis. Ah bah ma parade. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon alors. Attendez. Pourquoi je me casse la tête ? Voilà, on prend des segments d'adrénaline. Ensuite, petite folie d'Arès. Et on élimine tout le monde en libérant le prisonnier. Voilà, c'est gagné. Attendez, on a des compétences craquées, pourquoi on s'en servirait pas ? Tu es libre ! Ok, il est passé à côté des gardes sans problème. Donc une personne libérée. On en a une deuxième un peu plus bas. Pas trop bas, j'espère, quand même. Ah, assez bas quand même, assez bas. Ah oui, très bas quand même, très très bas. Oh, mais c'est bien ça, moi j'aime bien. Ah, mais après pour remonter... Oh. Toi t'es là, toi t'es là, t'as un pote juste à côté, non? Ah non, c'est ta cape. Mince, je voulais pas aller aussi loin, quel dommage. Dégage-toi. Ouais, génial. Salut! Allez, un petit duel, ça va me détendre. Quoique... Si, ça me détend. Prends cette chute. Et ils survivent parce qu'ils sont tombés dans l'eau. Mais au moins, je les ai plus dans les pattes. Allez, tu es libre. Et maintenant, c'est tout là-haut que nous devons aller. Les prisonniers s'échappent. Osef. Le mec, il passe juste à côté du garde. Tout va bien.
Non mais les gars, mais me faites pas des trucs comme ça. Oh, quoique, si, merci. Ce cri de panique. Et lui s'écrase. Il n'avait aucune chance. J'aime beaucoup cette zone. Le paradis des Spartiates. Mmh. Ah, j'ai tué un capitaine, moi? Oh, ok. Alors, Théron. L'échelle est juste à côté, Kev. Attendez, mais il y a une compétence que j'ai oubliée. Oh, mais oui! Bonjour! Bonjour. Attendez, il y a encore un puits, c'est ça? Attendez, on peut s'arranger, hein. Ah non, c'est pas un grand trou, ça. Non, c'est pas intéressant. Pourquoi j'ai plus d'armes, là? Qu'est-ce qui se passe? Les gars, on se calme. Oh! Mince, il y avait Théron. Mince! Je savais pas qu'il y avait Théron parmi les deux. Alors, est-ce que j'accepte ma bêtise? Ou est-ce que je recharge une sauvegarde? Automatique, certainement. Tant pis. tant pis. Effectivement, il était sous la contrainte, mais ouais, c'est pas bien ce qu'elle fait Perséphone à ce niveau-là. Mais bon, moi, qu'est-ce que j'y peux? Sérieux, ça suffit pas. J'ai quand même plein de bonus en assassinat, hein. Mince. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est peut-être pour ça que mon arme s'est déséquipée toute seule. Alors à moins que je l'ai fait sans le faire exprès, mais peut-être aussi que c'est automatique. Alors la quête s'appelle Bonne Nouvelle. Je pense pas que ce soit ce que Cassandra va dire à l'oratrice. Là, je suis pas sûr que le nom soit bien choisi. Mais vous savez, on a des trucs facultatifs. Il s'avère que... lorsque j'étais en chemin pour libérer Théron, je l'ai tué. Sans le faire exprès. Désolé. Désolé. C'est vrai que j'ai un peu oublié ce détail quand je jugeais les différents partis, les rebelles et Perséphone. Mieux vaut dire à l'oratrice que je n'ai pas pu sauver Théron. Ouais. C'est même pire que ça, c'est moi-même qui l'ai tué. Dans la bagarre, il m'a attaqué. Fallait bien que je me défende. Mais c'est vrai que j'ai oublié de me dire que Perséphone, quand même, a réduit en esclavage mental des êtres humains. Elle les a privés de leur libre arbitre. Et ça, effectivement, ça mérite qu'on les libère. Te revoilà. Où est Théron? Je n'ai pas réussi à le sauver. Théron! Mon fils chéri! Les autres, dis-moi que tu as de meilleures nouvelles. Ils sont déjà en sûreté aux ruines d'Iapetos. Tu les trouveras là-bas. Comme promis, je vais me joindre aux rebelles. Quel message veux-tu que je transmette une fois parmi eux? Faites pas de bêtises, Perséphone a une arme nucléaire. Grâce à moi. On est en train d'équiper les deux camps. Hécat est une alliée, le règne de Perséphone doit prendre fin, Adonis mènera les humains à la liberté. Allez. Fais savoir aux humains qu'Adonis les mènera à la liberté. Il n'a que leurs intérêts en tête, pas ceux de Perséphone. Je propagerai tes paroles. Merci pour ton aide.
Ouais, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin quand même. Adonis, je l'aime pas trop, mais ses intentions sont nobles. Whoops. Alors, est-ce que Théron fait une véritable différence ou pas? Ça fait un guerrier en plus. L'oratrice est heureuse. En tout cas, elle n'est pas malheureuse. Enfin oui, elle est heureuse de retrouver son fils, j'imagine. Moi, j'aime bien me dire aussi de temps en temps, mais écoutez, je fais comme si je pouvais pas recommencer. J'accepte ce qui se passe, en fait. J'accepte la façon dont se déroulent les événements. Après, est-ce que c'est un vrai impact? Ça, c'est une bonne question. Mais du coup, vu que beaucoup de gens vont peut-être faire les choses correctement, moi, je veux voir ce qui se passe quand je l'ai fait à ma manière. Peut-être que j'aurai une version totalement différente par rapport à la fin des autres joueurs. Et puis mince, taper un garde jusqu'à ce qu'il soit assommé, c'est tellement long, quoi. L'oratrice est partie aider la rébellion. Elle va lui amener de nombreuses recrues. Adonis sera content. L'important est de priver Perséphone de son pouvoir. Ce que pense cet homme ne te concerne pas. Ce que tu penses de lui n'a aucune importance. Ouh, attends. Non, parce que j'ai commencé à avoir un semblant de doute l'autre fois. Je me suis demandé à quel point Hekat enviait Perséphone. Est-ce qu'elle l'envie pour le pouvoir seul ou est-ce qu'elle l'envie aussi pour Adonis? Parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu jalouse. Adonis est un ami, rien de plus. Alors, que cela reste ainsi. Mais pourquoi ça? Les amours divines finissent toujours mal pour les humains qui y sont mêlés. Garde tes distances et concentre-toi sur ta tâche. Bon. Une jeune femme souffre d'un mal terrible. Elle a accepté d'aider la rébellion pour peu qu'on lui trouve un remède. Mais Perséphone a depuis longtemps déclaré hors la loi l'eau capable de soulager cette femme. Et a totalement détruit ce qu'il en restait. Laisse-moi deviner. C'est ce qu'elle croit? Selon les rumeurs, quelqu'un en a caché une dernière fiole dans une grotte à l'écart du chemin d'Hypnos. Trouve-la et apporte-la lui. Pourquoi Perséphone a-t-elle interdit cette eau? Son besoin de contrôle a pris des proportions qui dépassent l'entendement. Ce qui compte, c'est que les humains de l'Élysée reçoivent toute l'aide qu'ils souhaitent. Quelle est la maladie de cette femme? La pire qui puisse frapper un humain dans l'Élysée. Le cœur brisé. Pour l'éternité. C'est une peine de cœur? Tu ignores tout du chagrin après la mort. Il hante les humains avec une intensité inconcevable sur Terre. Je reviendrai après avoir apporté l'eau. Rappelle-toi que c'est interdit. Nul ne doit te voir l'apporter à la villa des jardins d'Adonis. Compris. Je voudrais suivre la quête, s'il vous plaît. Tu ne m'as pas comprise ou tu n'as pas écouté l'autre fois? Oh, ça va, je voulais voir si on pouvait te parler. Je reviendrai après avoir apporté l'eau. Rappelle-toi que c'est interdit. Ouais, c'est bon. Bon. Bois encore. Ah. Explorer le chemin d'Hypnos, qu'on a vu très vite, en arrivant dans l'Elysée. Alors oui, les gens... Je vous parle pas à vous, hein, spectateur, je parle aux rebelles. Plutôt que de me dire, aide-nous. Dites-moi en quoi Perséphone a perdu les pédales, parce que... Là, le coup de l'eau magique, de l'eau curatrice qu'elle a interdit, c'est important ça aussi. Bon, le contrôle mental, ouais, en fait, le contrôle mental aurait dû suffire. J'étais un peu idiot. C'est vrai que, bon, d'accord. Souvenir d'une âme perdue. Ma très chère Antaya, je n'ai plus la force de te pleurer plus longtemps. Je laisse ton souvenir à ce papyrus avant de succomber à la bénédiction du Léthé. C'est donc Antaya qui serait atteinte de ce cœur brisé avant de succomber à la bénédiction du Léthé. Ok.
Ok. Ok, ok. Donc, une nouvelle aventure dans une grotte. Oh! Mais c'est joli par ici. Et j'imagine qu'on va devoir plonger. Donc, on va équiper le trident de Poséidon. Comme ça, on pourra explorer autant qu'on veut. Allez, hop là. On descend, on descend. Je pense qu'on va essayer de récupérer la fiole et après on va quand même s'arrêter là. Tac, voilà. Bon, ça devrait être assez rapide quand même. Peut-être. On verra bien. Ok, on va essayer de récupérer la fiole. Mais du coup, j'ai une question. Qui a caché la fiole? Parce que c'est quand même une fiole. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est dit « Un jour, j'en aurais besoin ou je pourrais soigner quelqu'un avec ça. » Donc c'est soit pour elle-même que cette personne a fait ça, soit pour quelqu'un qu'elle aime, éventuellement, soit pour venir en aide à n'importe qui. Mais une seule fiole. Pourquoi une seule fiole? Pourquoi pas plus? Parce qu'une fiole, c'était tout ce qu'elle pouvait faire, peut-être. Quel que soit le pouvoir de cette eau, des gens sont morts en la cherchant. Ok, ce sera peut-être pas aussi rapide ou simple que je le pensais au départ. Donc, qui dit nouvelle aventure, dit nouveau donjon en quelque sorte. Alors, je répète, mais la forteresse qu'on a explorée tout à l'heure, pour poser une bombe, finalement, dans la zone de stockage des colosses, c'était très cool. C'était très intéressant, et donc là, on est de nouveau dans un tombeau, un peu comme celui du Minotaure, finalement, j'ai l'impression. Donc c'est assez intéressant, assez intriguant, et on va finir cette quête dans le prochain épisode pour aider Hécate et aider, bien sûr, la femme au cœur brisé. Salut tout le monde, à la prochaine.